joues aussi comme DJ en soirée? Oui, je fais les deux. Je fais plus de live que de DJ set parce que je viens de là, quoi. Je suis musicien à la base, j'ai une formation de piano, donc je viens du concert à la base. DJ, c'est quelque chose qui est venu après, mais que j'aime beaucoup. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Ça permet de comprendre souvent comment les gens réagissent à la musique. Donc c'est quelque chose que. Puis bon, c'est aussi le moment de partager des choses qu'on aime avec un public. Mais je fais plus de live que de DJ set. Mais je fais les deux. Et donc, tu as évoqué le partage, donc, par exemple en tant que DJ, par rapport à ce qu'on aime. Au niveau des sensations, est-ce qu'il y a d'autres choses qui différencient le live du DJ set, toi qui fais les deux? Bah, le live, si tu veux, c'est tu joues ta musique. Donc tu es... c'est sans filet. Tu commences une session où tu vas jouer 10, 12, 13, 14 morceaux à toi. Si les gens n'aiment pas ta musique, c'est mort, t'es flingué, tu vas souffrir pendant une heure. Si par contre tu arrives à connecter ta musique avec les gens, là, c'est formidable parce que tu contrôles les choses de l'intérieur. C'est-à-dire que tu joues pas la musique de quelqu'un d'autre, tu joues ta musique et tu contrôles chaque élément indépendamment des uns des autres en fonction de ce que les gens vont te renvoyer. Donc c'est une espèce d'alchimie bizarre. Qui est exceptionnel qu'elle fonctionne, quoi. Mais moi c'est vrai que c'est ce qui m'excite, quoi. Donc oui, en tant que DJ, au cas où si tu prends une direction où les gens suivent pas, tu peux arriver à reprendre autre chose. Bah oui, un DJ set, tu peux soit dans ton bac tu as des disques qui te permettent de rebondir vers des styles différents, plus ou moins énergiques, plus ou moins deep, soit tu joues sur Traktor, alors là tu as carrément toute ta collection, donc tu peux vraiment si les gens veulent du zouk, tu joues du zouk, quoi, tu vois, tu t'en fous. Mais c'est totalement différent. Le DJ set, c'est plus un truc de partage du moment. C'est pas un concert. C'est quelque chose de complètement différent. J'adore aussi. Hein. C'est beaucoup plus, c'est plus électrique quelque part.